C'est un réflexe bien connu des automobilistes. Glisser chaque année sous son pare-brise la nouvelle vignette de l'assurance. Ce petit bout de papier vert qui nous donne parfois beaucoup de fil à retordre. À chaque fois, je galère à mettre la vignette dans le plastique, là. À chaque fois, je le craque carrément. Il faut avoir la petite pince ou avoir un ongle assez long pour enlever la petite vignette. Bonne nouvelle pour ces conducteurs, ce document obligatoire depuis 40 ans pourrait bientôt disparaître. C'est en tout cas la proposition de la Fédération des assureurs. Vignettes et certificats seraient alors dématérialisés. Ce sera plus fonctionnel qu'avoir un morceau de papier sur un cadre. Ça ne change rien à partir du moment où il faut quand même payer quelque chose. Cette vignette numérique serait mise à jour automatiquement. Plus besoin de la changer. Pour Roina, cela évitera les mauvaises surprises. J'ai eu une contravention parce que ma vignette n'était pas à jour. Je ne l'avais pas changée à temps. Si ça peut simplifier les démarches, c'est très bien. Sur ces tablettes numériques, les forces de l'ordre rentrent la plaque des véhicules et auront accès à tous les certificats d'assurance des automobilistes. Des données que fournissent déjà les compagnies d'assurance depuis 3 ans. Les forces de l'ordre interrogent notre fichier environ 20 000 fois par jour. Un fichier des véhicules assurés qui est beaucoup plus fiable que ces deux documents papier. Au mieux, les petites vignettes vertes ne disparaîtront pas avant 1 an, le temps pour les automobilistes de s'habituer à ce nouveau système.